on fait quand même un beau métier. Voilà, l'aventure continue. Aujourd'hui, on est à Vancouver, au Canada, en direct de PC Place. Au micro, c'est le meilleur duo, oui, depuis Xavi et Iniesta, Ovarda, Fonseca, Benjamin Da Silva. Quand on aime le foot, on n'a pas le choix. Il faut voir ce choc au Canada contre l'Allemagne. Je suis très heureux de partager ce match avec vous. Parce que c'est ça le foot, c'est la joie du partage. Voici la composition de la sélection canadienne. La compo de l'équipe allemande, le point fort, on le connaît, c'est le pressing. C'est simple, si vous voulez voir comment va une équipe, regardez-la presser. Donc, pour cette équipe, tout va bien. Elle va bien, elle défend bien, elle attaque bien, c'est un véritable spectacle. Le coup d'envoi est le premier ballon de la rencontre. Dans cette rencontre, quelle belle manière de débuter ce duel! La pression était redoutable, épaisse, difficile, mais le talent était léger, la balle est libérée, golazo! Donc au tableau d'affichage, De Vrij, ballon pour Oberdorf. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. L'arbitre arrive donc un coup franc sur cette action. Alexandra Pop, la star allemande, qui envoie ce ballon au fond des filets.
En voyant ce corner, c'est très bien tiré parce que le ballon est envoyé dans une zone dangereuse. Et voilà le cabezazo, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et envoyer le ballon dans le but. C'est dur pour la coach. Elle va devoir remotiver tout le monde maintenant. Et avec ce but, score de parité, un partout. Lorenz. Rose. Désiré Scott. Betty. Oh, la frappe au but. Ouais, superbe défense. Et Göring. On voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et derrière le 1 contre 1, un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Carabule. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Ah ouais, je suis de le dire. Finalement, derrière, le ballon est perdu. Christine Sinclair. Ça arrive pour Sinclair. Alexandra Pop.
récupérer le ballon. Namaboul. Ah, il n'est pas bien donné ce ballon. Et ça sort donc hors des limites du terrain. On en revoit tout ça, le ballon qui part très bien, il s'est envolé pour essayer d'attendre le ballon. Finalement, ça rentre au centre du et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 3 minutes supplémentaires. Très bonne progression, balle au pied. Ah oui, excellent ballon. La parade exceptionnelle, incroyable arrêt. C'est impressionnant qu'une telle distance, le ballon soit détourné. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Thank you.
débrief. Hop. Parfaitement été neutralisé. Il l'a même aidé, je crois, à s'orienter et marquer. Grande! Après une prestation d'une telle qualité, leur coach doit être très satisfait. On récapitule, ça fait donc 4-1. C'est le but typique de Renard de surface. C'est lui qui est toujours bien placé et qui ne met jamais ou très rarement de but dehors de la surface. Ouais, beaucoup de buts, on en est donc à 4-2. Il y a faute, mais avantage, l'arbitre là, elle fait signe de continuer. Sinclair. Avec Fleming. La grosse pression, ballon perdu. Inamagou. Thank you.
Et le ballon est perdu. Et le ballon sort en touche suite à cette intervention. De l'équipe locale. Une victoire avec deux buts d'écart. C'est net, c'est précis. On tourne la page, mais on ne déchire pas le livre.